Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. Par un versus de Tripac Ancient Origins. Donc c'est de l'anglais, on commence avec de l'anglais. Et on y aura dans après. Dans très peu de temps, un autre versus sur du français, donc ce sera 4 boosters chacun. C'est ça, 4 boosters chacun. Avec une miniature qui ressemble un petit peu. Et donc moi je vais prendre tout d'abord. Je te laisse choisir en première, parce que c'est toi qui vas commencer. En fait c'est un versus, c'est juste qu'en fait on fait chacun notre tour, le même quantité de boosters, et on voit qui a le plus de chance. C'est ça, donc moi j'ai choisi le tripack Sepiatros. Généralement c'est Kim qui a plus de et chance. Et Guillaume choisira le tripack Drattak. J'ai choisi, tu m'as forcé à prendre celui-là. Oui, mais je suis sûre que tu préfères Drattak, choisi Drattak. Bah, il y a un Rayquaza en booster, donc ouais. Et ouais, moi j'ai 2 méga Tinaran aussi et un méga Oupa. Oupa en forme déchaînée. Donc dans ce petit tripack que nous avons acheté sur Parkage, donc on vous met le lien dans la description. De toute façon, l'anglais on se le procure toujours sur Parkage, comme c'est un site français, du coup on n'a pas besoin d'acheter aux États-Unis, se taper les douanes et tout. Donc, c'est ça, se taper les douanes, oui. Non, mais payer au niveau des douanes, parce que ça coûte assez cher. Et du coup, en fait, les tripacks on trouvait ça intéressant parce que c'est. Des exclusivités américaines en France, c'est que des duopacks et généralement quand c'est des tripacks en français, ils mettent un vieux booster de l'extension précédente alors que là c'est vraiment 3 boosters de la nouvelle extension. C'est ça. Du coup, on espère avoir de la chance. Oui, donc on vous met le lien en description et du coup, on va commencer cette ouverture avec ces 3 petits ces 3 petits boosters de la nouvelle extension XY7. Par contre, c'est du carton alors ça fait pas trop de bruit quand on ouvre, mais par contre c'est chiant. Ouais. Alors, hop. Déjà, il n'y a pas de scotch. J'arrive pas. Il y a un jeton. La langue Mais t'as 3 mains. J'ai une main d'homme. Tu sais qu'il y en a dans l'ouverture tac paillettes, ils ont cru que c'était moi. Sur la miniature, c'était moi. Bah, c'était toi, bah oui, logique. J'ai des grosses mains, les gens. C'est-à-dire que j'ai des grosses gauches, mains. Donc, le petit jeton marisson. Oui. Grenousse, pardon. C'est marisson, ça. Oui, mais non, désolé. Si grenousse. Qu'on va être là, et la jolie promo Sepiatros. Avec les magnifiques bords jaunes. Moi j'aime beaucoup Sepiatros, pour un calamar. C'est vrai ? Ah, moi j'aime bien. Il est trop mignon, sa sous-évolution est trop mignonne. Ouais, à la limite, et Sepiatop il est bien, mais Sepiatros je trouve horrible. Ouais. D'ailleurs, je trouve atroce. Voilà, et donc on a 3 boosters, donc 2 méga Tyranocif et un ou pas en forme déchaînée. Donc moi je vais commencer par le méga Tyranocif, comme ça il restera un de chaque après. Et du coup on va commencer l'ouverture. Oh bah dis donc, c'est plus facile que les boosters qu'on a ouverts ce matin. C'était quoi? Destiny Future. Donc on vous donne les petits codes pour avoir des boosters sur le TCG online. Oui, si vous jouez, moi je joue pas donc. 5. J'espère qu'on aura autant de chance que dans le coffret Vitini. Bah, ce serait pas mal, ouais. Alors, Apitrini. Marest. Oui. Albuto. Mimigal. Mimigal, c'est Mimigal ? Oui, Mimigal. Miaous. Maniaque. Sorcière. Sorcière maniaque, en ce moment, genre. Parce que Hexen en allemand, c'est. Oui. Sorcière. Métang. Oui. Recyclable. Bras recyclables. Oh, en reverse, Misterbe. Qui est mignon. Odish. Et en rare. Oh, yes, Voltalia en holographique. Ah, ils sont sortis en holo. Mais c'était pas holo. Ah, non, si, ils étaient holo. Non, tu pouvais les avoir en, si, en rare ou en holo. C'est pas ça? Non, t'avais Voltali et Wakoli en holo, je crois. Ah mince. C'est-à-dire que je l'ai déjà alors. Non, mais tu l'as en Jap. Oui, oui, j'ai en Jap. Donc je vais l'avoir en anglais. Oui. Donc je vais peut-être l'avoir de en la français. La collection Evoli. Voilà. On continue avec Mega Tyran aussi, parce que moi c'est celui que j'aime le moins. Même si ou pas, enfin je connais pas en fait. Pour moi c'est pas encore un Pokémon, parce que je l'ai pas encore vu en jeu. Ou pas. Ou pas. Le petit code TCG Online. C'est un dieu. Ou pas, c'est un légendaire. Oui, c'est un légendaire, oui. Mm. Alors, Mucuscule. Oh, Terral. On dirait un truc qui a été oublié dans la montagne. En pâte à modeler. Zarbi. Porygon. Tout court. J'aime bien cet artwork. Vie. Mimigal. Porygon 2, j'aime bien aussi. Porygon 2. Kirlia. Très joli. J'adore ce Pokémon. Même si pour moi, c'est pas un Pokémon non plus. Bah, il fait pas vraiment Pokémon. Non. Lien spirituel, méga Junko. Oui. En reverse, on a plante de la forêt géante. Oui. Oh, c'est une blague, mais putain, mais c'est une secrète. Blague, t'as une secrète. Non, mais vas-y, je me casse. C'est vrai, la vidéo, c'est vrai, j'ai encore perdu. Tu m'as hurlé dans les oreilles. Pardon.
J'ai encore perdu. Et un secret de boîte aux lettres. Ah, c'est trop bien. Non mais vas-y. T'es battu. De toute façon j'ai perdu forcément. Les secrètes, même si les dresseurs, il y en a qui aiment moins par rapport... Je savais pas qu'il y avait des dresseurs. Si, si, c'est encore plus rare que les... Genre les primo goudrons en foulard. Ah ouais, c'est beaucoup plus rare. Bah oui, c'est une secrète, alors que les primo goudrons... Mais je savais pas qu'il y avait des secrètes. Je savais pas qu'il y avait des secrètes comme ça, moi, dans le... Bah ça, tu te plaises. Ouais, ça une va. Une petite foulard français entre un booster et une secrète. Le coffret Victini, on l'a ouvert ce matin, et donc cet après-midi, là, on ouvre les boosters. Bon. Donc on le met sous pochette. Bah t'es bien choisi. Je suis trop contente. En plus, j'ai rien senti. J'ai rien senti, je vous jure. C'est pour ça que j'étais étonnée. C'est toujours joli les traîneurs secrètes, même si pour certains, c'est pas vraiment une carte Pokémon vraiment ultra rare, mais... J'ai rien senti, mais en fait, sur le côté, je voyais qu'il y avait un truc. Quand je l'ouvrais. Magnifique. Ouais, j'adore. Quand c'est doré, c'est superbe. Mais il y en a qui recherchent les... Pour mettre dans leur deck. Ouais. Super joli. Oui. Bon, ouais. Bah, un Voltali et une holo et une secrète. Vaut faire mieux, hein. Je vais avoir deux full art. Est-ce que si j'ai deux full art, est-ce que ça... Ah bah oui, parce que moi j'ai eu une ultra. À moins que j'en ai une deuxième. Franchement, c'est une deuxième, je veux même pas mon tripack. Je le garde sous liste. Et donc, du coup... C'est pas grave, je vais peut-être avoir quelque chose aussi. Le code TCG. Alors attends, 3, 4, 5. Allez. Voilà. J'ai mis à l'envers. Alors, Miaouss. Oui. Apitrini. Oui. Marest. Oui. Evoli. Eevee. Golemastock. Oui. Gringolem. Gringolem. Golemastock, c'est son évolution. Gringolem. Sorcière maniaque. Sinon les gens vont dire qu'on connaît pas. Oui. Motisma. Motisma. Oh oui, oh là là. Ah bah, pourquoi le barillet jaune? C'est l'énergie. Ah oui, oh là là. Allez, vas-y, c'est pas grave. On continue. Ah oh, mais ça fait trop bizarre, mais comme on ouvre les japonais juste. Mais sur ça, en fait, ça m'a pas choqué. Ouais. Et du coup, là, je... Mais mon dieu, des bords jaunes, c'est horrible. Ouais, c'est pas très joli. Mais... Oh, c'est Pietro. C'est Pietro. Horrible. Top. Bah c'est Squid quoi. Ouais. Et ouais, Red Rice en rare. Et ouais. Donc moi j'ai eu, on fera un récapitulatif. Oui, à la fin. Ouais. Bon, bah c'est parti pour mon tripack. Guillaume. Allez, on ouvre celui-là. J'ai changé de place direct. Oui. Je suis trop fort, hein. Ouais, je suis passé sur toi et... Ouais. Ah, t'es passé sur moi. Non mais faut pas que ça sorte du contexte. Ah, t'as eu Fennec. Moi j'ai eu Fennec et j'ai Drattak. Et Drattak, t'as vu aidé. J'ai eu Grenade. Ah non, t'avais eu Marisson. T'avais pris Marisson. Oui. Bon, ça marche pas. Allez. Bon, bah pour l'instant, je suis mal parti. Hein. Je sais pas si vous avez vu ça, mais. Je sais pas si je vais gagner hein, ce versus. Hein. Mais je gagnerai le français. Non. Si, si. Non, non. Si, si. Non, non. Ah, ça m'agace. Oh, tu vas casser les boosters. Mais non. Oh là 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 là. Ah, c'est bon. Voilà. J'ai réussi. Mais dis donc, pour une fois, on a de la chance en ce moment. Et c'est marrant parce que du coup, c'est de l'US. Ouais. Mais c'est quand même marqué CE. Comme une sorte. Bah oui, parce que c'est pour l'anglais bah anglais oui. Aussi. Les exports, donc c'est en l'US. C'est, Donc j'ai eu Fennec en petit jeton. Fennec et l'autre, il est. Je sais pas. Il est là. Là. Fennec et Grenousse. Qui est déjà sorti précédemment. Je me souviens de les avoir déjà vus quelque part. Oui, mais moi aussi. Plus. Et. Drattak. On met tout pochette. En holo. En semi-holo. Semi-alphart. Semi-foulart. Semi-foulart. Ou alphart ou. Oui. Ancienne tresse ou pas. C'est ça. Allez. Ah non, ouais. Ça, c'est mon côté. Quel côté alors Moi, je commencerai par méga tyrannosif. Je ferai après le méga. Le premier goudron et après le méga récolte. Je vais gagner, tu vois. Non, non, non. Si, si, si. Non, non, non. Ancien Tarnovine Booster. Tu vas perdre. Donc on peut pas, en deux tripacks, on peut pas avoir deux trucs. Oui. Alors, Inkay. Bah, c'est Pietrop. Oui, c'est Pietrop, mais on l'a déjà eu tout à l'heure, tu l'as en reverse. Mélange pas les. Oh, mais si, on sait pas. Ah oui, ça. Oui. Reliquante. Balbuto. Ah, j'ai eu Kirlia et t'as eu Terral. Tarsal. Oui. Rats, donc Tarsal. Pyronille. Lissandre. Apirène. Faramp. Méga Faramp, Lien Spirituel. En reverse. Ah oh bah tiens, t'avais déjà eu en reverse. Et pour finir. Oh!
J'ai gagné. J'ai gagné, c'est un Pokémon. Oh non, j'ai une secrète. C'est un Pokémon. Non, j'ai une secrète. C'est quoi ce tripack? C'est une blague. En plus, on l'a pas. On n'a pas les deux. Ouais. Attends, c'est trop bien de voir mes dans la collection. Eh ben, faut qu'on ouvre encore des boosters aujourd'hui. Hein. Ouais. Faut qu'on ouvre le français aujourd'hui encore. On a une full art ce matin en 3 boosters. Là, on a une full art en 3 boosters et une secrète en 3 boosters. Purée. Eh ben. Bon, j'avoue, je l'ai senti. Je savais que j'avais un truc. Mais oui, ça se voyait. Enfin, moi, je le voyais. Je connais bien Guillaume, donc j'ai vu qu'il y avait un truc. Mais le truc, c'est que je sais pas quoi avoir. Et franchement, elle est pas mal. Parce qu'on l'avait toujours pas eu. Donc c'est Junko X. Ben, elle est propre, hein, elle est jolie. L'artwork, j'aime bien. Purée, on a le cul bordé de nouilles. Bah là, il y a pas mal de chance. Hein. C'est dans le méga tir aussi. Donc c'est facile. Non, moi j'avais dans. Ah si, mais j'ai une dans les méga tir. Donc dans les autres, on aura rien. C'est pas. En fait, généralement, dans les boosters, c'est par artwork. Si vous commencez à avoir une ou deux ultras dans un artwork, dans une box, vous aurez. Ou dans une box ou dans un lot de booster. Et ben, vous aurez la suite, en fait. Dans le même artwork. C'est ça. Happy Trini. D'ailleurs, on avait fait ça une fois. On avait acheté que des Scarino, je crois. Vigueur Spectral, non? Non, c'était Point Furieux. Ah oui, Point Furieux. Que des Scarino. On avait acheté peut-être 10 boosters. On a vu dans Scarino, on avait eu deux ultras. Non, une ultra, je crois. Et du coup, on est retourné, on s'est dit, tiens, on va tester. On a pris que les Scarino et du coup, on a chopé 4 ultras. Ouais. En 12 boosters, je crois. En fait, généralement, ça reste sur le même artwork. Bah là, la preuve, en deux tripacks. Reliquant, Baltoy et Rats. Terran. Oui, mais on les a déjà dit en français, donc j'ai dit en anglais. Village Fantôme. Je pense, c'est vrai. Ah ouais, non, c'est son évolution. Farfa Duvet. Douduvet. Douduvet. Ouais, je sais plus. Energy Recycle. Miaus. And. Est-ce que j'aurai une loi au moins? Oh, pas mal. Une Alphard. Golem Stock. En Alphard. En Alphard. Je peux le mettre là, elle est quand même pas mal. Bon. Oh purée, l'ouverture de fou. J'avoue, c'est n'importe quoi. Je crois que ça fait longtemps qu'on a fait une ouverture comme ça. Hein. Ah, ça motive à en faire encore plus. Hein. Ah oui, je fais toujours ça. Hein. Dernier booster, est-ce que je vais battre Kim? Est-ce que là, si j'ai une ex, je te bats. Ah oui, là, si t'as une ex, tu me bats. Bah, j'attends de voir. Encore un code. J'espère que les gens les prennent les codes, hein. Ça se trouve, ils les prennent pas. Hein. Ouais. Je sais qu'il y en a qui disent, ouais, je prends le premier et je laisse les aux autres. Et... Mais c'est très gentil de faire ça. Alors, Miaus, encore Reliquant, encore Abitrini, encore Sepiatron, en même temps il y a 98 cartes. Ouais, encore Misterbe, l'énergie que tu as eu tout à l'heure, avec les bords noirs. Ouais. Porygon 2, Kirlia, bras écologique et. Ah, et rien. Oh, en plus, c'est même pas une. Non, c'est pas une. Oh, elle est belle! Elle est pas mal. L'artwork est jolie, ils auraient dû la faire en holo, mais elle est jolie. Ouais, pour Egon Z. Donc voilà, donc, résumé, acheter des tripacks sur Paggy. Putain, j'hallucine, jamais vu des tripacks comme ça. Hein. Si, une fois on avait fait fort, mais c'était un seul. Là, c'est quand même deux tripacks. Hein. Oui, deux tripacks différents. Donc voilà, en deux petits tripacks, bah, on a les promos. Bah, du coup, on va dire il y a égalité. Il y a. Ouais, parce que ça, c'est... en fait, c'est pas un Pokémon. T'aurais eu un Primo Goudron en Primoz, déjà, ça aurait fait. Voilà. Mais c'est dommage d'avoir ça. On a égalité, c'est quand même énorme. Mais à tendance plutôt Kim. C'est dommage d'avoir une secrète comme ça, mais c'est quand même énorme, déjà. Bah oui. Donc il y a les deux holos. Kim a une holo de plus que moi, du coup. Donc... Ah bah donc c'est moi qui. Oui, elle a gagné. Réellement, c'est toi qui gagne. En plus, c'est une secrète, donc. Au niveau de la rareté, c'est quand même beaucoup plus. Sachant qu'il y a que deux secrètes. Oui. Non. Si, il y a la 99 et la 100. Les autres, elles rentrent dans le set, hein, c'est pas des secrètes, hein, je pense. Hein. Non, t'as quelque chose. Et donc, c'est deux cartes magnifiques, énormes. Hein. Franchement, regardez. Mettez un pouce bleu pour cette super ouverture. Hein. Ça fait longtemps qu'on fait des ouvertures comme celle-ci. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez ouvert des origines antiques. Même si j'ai perdu, c'était un beau versus. Ouais. J'ai presque failli gagner. J'aurais pu gagner à tout moment si j'avais une petite ex, tu vois, en plus. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez! Salut! Salut!